Bonsoir les loulous, bonsoir les amis. Et j'espère que vous allez bien. Alors, demain, c'est la pleine lune. Je viens vous donner un petit cadeau. Vous allez faire ceci chaque fois qu'il y a la pleine lune. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez chercher 3 citrons verts. 3 citrons verts. Vous voyez comment le citron vert, quand le citron est vert, vous voyez comment il brille, non? Il brille. Alors, vous allez faire quoi? Un soir de pleine lune, à partir de 21h, vous allez vous préparer un bain chaud. Quand je dis bain chaud, ça veut dire que vous prenez une casserole et vous faites chauffer de l'eau, mais cette eau doit être chauffée à la température que le corps peut supporter. Après avoir chauffé de l'eau, donc, vous allez verser cette eau dans votre seau d'astuce. Ensuite, vous allez découper les citrons. 3 citrons, vous découpez, vous pressez le jus dans cette eau chaude-là et vous jetez les coques dedans. Allez à la salle de bain. Cette fois-ci, vous ne vous lavez pas d'abord avec l'eau normale et le savon. Non, non, non. Vous vous déchaussez, pieds nus, faites une prière à Dieu. Commencez toujours par le Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, faites une prière. Je ne vous apprends pas comment prier. Il ne suffit pas de savoir prier. Il faut utiliser les mots que vous savez que notre Créateur va entendre. Après avoir fait votre prière, commencez à vous laver avec cette eau chaude. Il faut que ce soit chaud, hein? Chaud, mais pas le chaud qui brûle. Vous commencez à vous laver avec cette eau de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Ce bœuf a pour but de vous faire briller, de vous placer au firmament, de vous faire briller de manière à ce que quand vous êtes dans une foule, même s'il y a 1 million de personnes, les regards sont posés sur vous, l'attention est posée sur vous. S'il y a une faveur, cette faveur vous localise. Donc vous vous lavez. Quand vous vous lavez, visualisez-vous comment vous prospérez, comment vous brillez partout où vous allez. Visualisez cela pendant que vous versez cette eau sur vous. Quand vous avez fini, laissez votre corps sécher. Ne vous essuyez pas le corps avec la serviette. On se lave sans savon. On ne pisse pas. J'ai dit, on ne pisse pas quand on se lave. C'est interdit. Quand vous avez fini, habillez-vous. Et c'est terminé. Faites-le chaque fois qu'il y a la pleine lune. J'y reviendrai avec la suite. Big up de la petite sorcière.